Là, c'est pas gagné. Les 73-51 tous. 14 bravo Charlie 33-01 Rémi Dandy 33. Test de connexion. Attention le Québec-Canada pour 14 bravo Charlie 33-01 Rémi. Le Sud-Ouest France qu'appelle. Validé. Et 73-51 toi, j'ai entendu ton appel tout à l'heure, mais bon, le temps que je me mette en place et tout, je suis trois coups, mais voilà. Mais c'est pas gagné là aujourd'hui, hein, pour l'instant là, on va dire pour le QSO. J'ai l'Italie qui m'arrive derrière. Toute la matinée, c'est resté coincé sur l'Italie et c'est pas évident. Bon, on verra bien. Vu l'heure, ça devrait pas tarder à tourner un petit peu plus de ton côté, au niveau propag. Ah, c'est vrai que la température a baissé aussi de l'autre côté. Ce matin, j'avais 14 degrés. Tu vois, 14 degrés et de la pluie toute la matinée. Ça pleuva, ça, c'est pas très fort. Mais bon, j'étais surpris en voyant 14 degrés. Je me suis dit, tiens, ça redescend. Toi, de ton côté, ça a gelé, non, si je me trompe pas. Ah oui. Les couvertures sont un peu trop blanches, mais je peux dire que c'est pas chaud dehors. C'est pas chaud du tout. Ah, tu m'étonnes. Ça fait bizarre quand même de voir ces différences de température qu'il y a. C'est quand on regarde bien le sud du Québec comme ça, eh bien, au même niveau que la France. Donc on pourrait se dire que les températures sont les mêmes. Sauf que vous, le froid que vous avez, ben, il arrive des terres, alors que nous, ça nous arrive de l'océan, quoi. Ah, Brésil. Ok, bon, t'as, j'ai le Brésil maintenant qui m'arrive derrière, là, qui vient nous perturber les oreilles. Aïe. Alors, entre l'Italie et le Brésil, c'est bon, ça va donner, quoi. On a les plus gros perturbateurs, là, en ligne, sur les ondes, je veux dire. Ah, il manque plus que l'Espagne. Voilà, pour le coup, on aura le trio de perturbateurs. Ah, chie trois coups. Bon, ça va, t'as bien dormi, là, cette nuit, ça a été quand même... Pas trop, ça s'est bien passé. Mais ça fait du bien qu'elle revienne à la maison. Là.
Ah, d'accord, ok. Ben moi, je travaille samedi, dimanche en journée et lundi nuit. Alors, je serai pas loin, je serai à 10 km là, de la maison. Par contre, je vois l'XYL. C'est du lundi au vendredi sur Bordeaux. Donc là, c'est 500 km par semaine, quoi. Eh oui, Bordeaux, on est à 50 km de Bordeaux. Donc le calcul est vite fait. Et là, par contre, c'est autre chose. Là, c'est au niveau circulation et tout. C'est pas toujours évident, tout ça. C'est sur les routes ici, c'est un grand coup de moi d'abord. Bon, j'imagine que pour ton XYL, son boulot, ça doit pas être simple non plus. Hein. Ça doit être quelque chose quand même, hein, son travail. Hein. Affirmatif, Roger. Bah tu m'étonnes, mais c'est vrai que chez nous c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil, surtout quand on voit, je vois là quand je suis pas loin d'ici, bon j'ai un véhicule pour le travail, parce que bon j'ai plusieurs endroits à contrôler, ceci, cela, donc je prends la route, ainsi de suite. Et c'est vrai que je vois nous ici, un stop, une priorité, limitation de vitesse, ça ne veut plus rien dire. C'est pas compliqué, t'arrives à un stop, le stop va être pour la personne, donc toi prioritaire, pars du principe que l'autre il va passer devant. Je me suis déjà vu piler un grand coup, tout ça parce que j'ai eu l'autre con qui a voulu à tout prix passer au stop. Et puis c'est pas une, deux, trois personnes, c'est tout le monde qui ne s'arrête plus, qui ne respecte plus quoi que ce soit du code de la route. Alors effectivement, pour ceux qui font signaleur comme ça, c'est pas évident. Hein. Je vois des fois, quand je reviens de Bordeaux, que j'écoute comme ça, là, sur la CB, j'écoute des fois, justement, des convois exceptionnels. Ah ben, je peux te dire que c'est pas triste, hein, des fois. Ça force obligatoirement le passage, pareil. Hein. Il faut que ça passe devant. C'est un grand coup de moi d'abord, quoi. Alors que il suffit de partir du principe que chacun son tour et ça passera plus vite. Et c'est pourtant vrai, mais pas pour les gens. Hachi, retour. C'est pas vrai, c'est pas forcément vrai. Merci. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est partout pareil. Hein.
Effectivement, c'est partout pareil. Moi, je me souviens, moi, étant QRPP, j'entendais souvent chez nous là se moquer des Italiens, ceci, cela, parce que respecter quelque chose, ils n'ont jamais su. Chez eux, le code de la route, ça veut strictement rien dire. D'ailleurs, c'est à se demander s'il y en a un, hachi trois coups. Mais c'est le monde entier qui est devenu pareil aujourd'hui. Oh oui, c'est sûr, oui. Retour. Oups, j'ai oublié de couper le WebSDR. Un de ces cas, je vais me faire avoir avec ces conneries, je vais le griller. C'est exactement pareil. Je me souviens une fois, comme ça, j'étais en moto et j'arrive à un passage, j'allais dire un passage à niveau, ouais, n'importe quoi, un passage pour piétons. Et pareil, je vois, il y avait une personne âgée là qui était sur le côté et toutes les voitures qui passaient, quoi. Alors que la personne âgée était presque sur la route, quoi. Et je vois toutes les voitures là qui forcent le passage. Allez, ça va bien, quoi. Allez, ça force. On voit pas. C'est moi d'abord. T'as quand j'ai vu ça, quand c'était mon tour de passer, eh ben je me suis arrêté en plein milieu. Boum, voilà. Et je lui ai fait signe de traverser. J'ai là quand même. Ah, là c'est quand même fort, ça rendu à ce point-là, quoi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup comme ça maintenant. Hein. Je comprends pas. Et quand on regarde sur les réseaux sociaux, ça, sur Facebook, eh bien, on retrouve les mêmes comportements, les mêmes réactions. Et quand on regarde bien, eh bien, c'est ceux qui critiquent les plus, qui se plaignent le plus, qui sont les premiers à jeter la pierre, à faire les cons, à ne rien respecter. Alors ça, c'est fort, ça. Je suis trois coups, retour. Vas-y.
Je sais pas si c'est lui que j'entends derrière. Oh bah voilà, Brésil. Aïe aïe. J'ai entendu, il est où? Je t'entends me dire, j'ai trop de bière. Hein. Ah, j'aime mieux comme ça. Bon, ceux qui sont sur une voie BSDR, là, merci, il est sur... Bon, là, quand je suis en fréquence comme ça, là maintenant, le voie BSDR, en ce moment, le voie BSDR, je le bascule sur la Sirio GPA 27 quart d'onde. Et je coupe depuis le... Ah zut, mon coupleur d'antenne, quand je passe en émission. Ça me permet de suivre en même temps un petit peu là, ce qui se passe sur la bande. Ah, il est là. Là maintenant, là ici, à l'heure qu'il est. C'est pas chaud, ce n'est pas chaud du tout, ça gèle. C'est la gelée partout ici.
monter à 16 degrés. On va avoir 16 degrés dans l'après-midi ici. Fait que ça va faire du bien, ça va réchauffer la couche, comme on dit. Fait que, mais on met du bois dans le poêle sur notre côté. On va essayer de faire la couche. On n'a pas le choix pour chauffer les maisons. Retour, oui, ben, c'est bon. Je sais plus lequel attraper, quoi. Je vais vous dire, je vais vous dire,
Parce que la madame, elle travaille à la maison, elle va arrêter, fait pour pas la déranger. Donc pas de vidéo. Il est pas loin, il est pas loin. Il a vu mon message sur Facebook. C'est parti là. Les stations vont arriver les unes après les autres. Ça va être encore une super journée. Zut, du coup j'ai pas pris le temps d'écouter sur les web des autres web SDR pour voir ce que ça donne. Ça brille de partout. Ça arrive de partout, partout, partout. Oups.
J'entends plus personne, mis à part le Brésil qui, ou l'Italie qui revient. Aïe, aïe, aïe.
Pascal. Rentre au micro, Pascal. Il passe bien. Tu casses la baraque, Jean-Luc, tu casses la baraque, Hachi. Il y a fait 1 degré, et c'est un peu chaud, là, tout est gelé ici ce matin.
Eh bien, je crois que je vais pas en placer une beaucoup, moi, là. Eh bien, pour le coup... Eh bien, décidément. Eh bien, on va voir ce que c'est. Bon, comment... Ah. C'est en train de se télécharger, là. Je connais pas du tout, hein. J'ai jamais été vraiment jeu, mais bon. Y'a que les cons qui changent pas d'avis. On va faire des amitiés, des amitiés, des amitiés.
Voilà, comment on y joue? Oh là là. Je sais pas ce que je fais du tout. Ah, ça ressemble à Robocop. Bon, faut que je comprenne comment ça marche. C'est tout l'Italie, là, puis l'autre pays dans ce côté, là, qui sont la Suisse, c'est la Suisse, et à tout le monde, l'autre pays, là, qui est en bas, pas la langue. Et on en vient à bout de sortir tout ça, là. Il y a beaucoup de curation ce matin, et les amis, ça s'annonce, c'est vraiment, là. C'est pas mal de fun de voir qu'ils ont réussi avec nous autres ce matin, là. Putain, ce monde qu'il y a là. Je te vois, bon, j'entends pas tout le monde, hein. Et puis bon, en plus de ça, j'ai pas écouté là du côté des autres voix vestiaires. Gilles est toujours pas là. Youhou, youhou. Pourtant il est debout, hein, puisque je l'ai vu voir mes messages à Chitroicou. Donc il est debout, il est peut-être en écoute derrière, je sais pas. Ou alors peut-être que la mère tape dur, Achidikou, lui a demandé de faire un travail. Et du coup qu'il peut pas être là. Je sais pas, on verra bien, ça sera surprise, surprise. En tout cas, oui, il y a du monde aujourd'hui, hein. Ça arrive de partout, partout, partout. Thank you.
Ah! Quand même. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah, d'accord. Ah, cool. Oup. Je suis tombé là, je crois. Ouais. Et comment on tire avec? Ah tiens, j'ai trouvé. Ah, on tire des deux côtés. Parce que il y en a, partout. Et derrière aussi, il y a des boutons.
Bon, 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 ça donne quoi? Je veux dire le QSO. Je crois que c'est un autre QSO qui est arrivé là. Et 73 Sébastien, 14 Bravo Charlie, 33-01. Là, ça tourne là, au niveau du Québec. Ça va, la propag fait un petit peu, tourne un petit peu dans tous les sens. Hein. Ouais, merci pour le retour. Oui, je disais donc les 73 de 14, Bravo Charlie 33-01, Rémi d'Andy 33 sur le sud-ouest France. Et je disais donc qu'au niveau de la propag, là, ça fait un petit peu la girouette. Le Québec, avant ça, là, arrivé plein pot, là, ici, là, de mon côté. Attends, je suis en train de faire une connerie en même temps, voilà. Le Québec est arrivé plein pot, là, ici, là, de mon côté, et puis paf, c'est parti ailleurs. Einfach mal so 5 bis 40 hier und die ganzen Nachbarkanäle, alle zu splattern, splatter, 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 splattermuster. You only splatter in the other frequencies. Eh ben voilà, et puis là c'est parti pour que ce soit maintenant du côté des gros perturbateurs. Ah oui, ouais, ouais. Il y en a qui sont venus la camper là sur la fréquence. Ah, c'est toujours les mêmes là qui viennent de nous perturber les oreilles là ici là sur le 625. Aïe 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 aïe. Le 625 est connu, donc tout le monde arrive pour foutre son bordel là-dessus. Hachi trois coups. Oui, c'est bien moi au fait. Hachi. Shutting up your power, a little bit more power. You're splattering all the frequencies.
Ça y est, et maintenant, voilà, j'ai pas compris ce qu'il a dit, mais vu le ton de la voix, il est en train de nous jeter, de certainement nous expliquer qu'on doit lui laisser la fréquence libre. Il veut, ce monsieur, qu'on lui laisse le tapis rouge, qu'on lui déroule le tapis rouge. Hachi, oui, l'OM du Québec, là, que j'ai entendu entre deux, les 73 retournés, 14 Bravo Charlie, 33-01 Rémi. Voilà, Dundee 33 sur le sud-ouest France, la Gironde. Et c'est vrai qu'au niveau propag, là, ça fait un petit peu du grand n'importe quoi. Ainsi que certains OM. Hachi. André. Ok André, il y a Jean-Louis qui est en même temps là avec le micro. Hachi. Oui, tiens, tu as le 73 de André, là, en même temps, là, de ton côté, là, de la 9, là, qui a pris le micro, là, aussi. Hein. Alors, je suis pas sûr que vous arrivez à vous entendre. Quoique, on sait jamais. Donc, je te retourne le micro, là, pour voir si tu peux attraper André. Alors lui il t'entend. Alors ça c'est très fort. Lui il t'entend, mais toi tu l'entends pas. Il a trop de QRM de son côté. Alors Jean-Louis, les bonnes 73-51 à André. André, les bonnes 73-51 à Jean-Louis. Voilà, il n'y a plus qu'à dire oui pour le mariage. Mais qu'il est con celui-là. Hachi trois coups. Retour André. Hachi trois coups. Ok, retour Jean-Luc. Ok, bon ben je lui laisse sa place pour voir. Oui, il y a Bravo Charlie qui vient de s'avancer. C'est qui déjà, André? Oui, il y a André, vas-y mon ami. Bravo Charlie, il est là pour t'entendre, c'est ça. Bon, je vais pas tarder à QRT, moi. Vu l'heure. Comme d'habitude, je vais passer un QSO plus local. Et boire un cappuccino en même temps. Passe pas de mon côté. Hey, je suis
D'après ce que je vois sur le WebSDR. Ah oui. Allez, Jean-Luc. Oui, c'est moi, c'est Rémi. Bon, je vais devoir passer en QRT. Là, il est 16h, là, ici, sur la 14. J'ai l'XYL qui doit être plus qu'à quelques mètres du QRA, à Chitroicou. Donc, je vais passer à un autre QSO beaucoup plus local, plus un bon petit cappuccino avec. Dommage que le maître des ondes du Québec soit pas avec nous là cet après-midi. Enfin, ce matin pour vous. Ah, il viendra peut-être tout à l'heure, je sais pas. Donc, je vais passer en QRT. Les bandes sont 1351 à tous, à l'ensemble des OM qu'il y a sur le QSO, car il y a du monde derrière. Il y a du monde. Il y en a qui attendent justement leur tour pour prendre le micro. Donc, les bandes 1351 à tout le monde. 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi, Dandy 33 sur le sud-ouest France, dans les environs de Saint-Émilion. Et demain je serai pas là, après-demain je serai pas là, lundi je doute, je sais pas encore. Bon bref, je bosse tout le week-end et lundi avec. On verra bien. Et qui sait, peut-être que demain soir sur la route en débouchant, je débouche à 19h samedi dimanche, 19h heure française. Donc je sais pas si la propague est encore là, pourquoi pas. Et sinon, eh bien, bon QSO à vous, bon week-end et à très vite. Ok André, tout ça retourné. Merci, ciao ciao à tout le monde, merci. Allez, un petit peu pour le plaisir. Un petit peu de monde sur le WebSDR. Bon, ok. Les 73-51 à tous. 14 bravo Charlie, 33-01 Rémi. Et à la prochaine vidéo. Et voilà pour le mot de la fin.